Je viens de Saint-Georges-sur-l'Aure, 59 820, situé dans le nord de la France. Nous venons de Saint-Georges-de-Montclar. En Dordogne, 24. Et ben on vient de Saint-Georges-en-Cousin dans la Loire, 42. Cette année, les Saint-Georges de France, c'est chez nous. Se rassembler avec comme point commun le patronyme de sa ville, bienvenue à la 33e édition des Saint-Georges de France à Saint-Georges-de-Rintembeau. Ça fait 10 ans qu'on fait ça et on adore ça. En l'an 2000, la ville brétivienne organisait une édition. Elle devait à nouveau recevoir ses camarades 20 ans plus tard, en 2020, mais les retrouvailles sont annulées à cause du Covid. Et moi, la première fois, c'était en 2000, à Saint-Georges-de-Rintembeau. J'ai commencé en 2000, voilà. Donc ça fait 22 ans aujourd'hui. Ah bah ça fait des frissons encore au niveau des... Rien qu'à en parler, ça fait des frissons. Ce week-end, c'était 500 bénévoles pour 8000 participants, que ce soit en musique ou dans l'assiette. Chaque Saint-Georges partage sa spécialité et comme la tradition le veut, la ville qui accueille présente son char fait maison. C'est une légende qui dit que le chevalier Saint-Georges a terrassé le dragon pour récupérer sa bien-aimée, sa princesse. Faire la fête évidemment, mais c'est aussi l'occasion de découvrir une nouvelle région chaque année. Aujourd'hui, il y a eu des visites sur Saint-Malo, Fougères, Rennes et le Mont-Saint-Michel. Et il y avait également des randonnées pédestres sur la localité de Saint-Georges-de-Rintembeau. L'année prochaine, rendez-vous à Saint-Georges-sur-Cher en région Centre-Val de Loire. Thank you.
Dragon de Saint-Georges. 1, 2, 3. Ouais.